Foufouf YouTube, comment allez-vous? C'est un super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Écoutez, avant de commencer, merci à tous pour les 200 000 abonnés, ça fait ultra plaisir sur la chaîne gaming. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette année, qui partagent les vidéos, qui s'abonnent, qui commentent. Merci à tous. Voilà, tout simplement, ça fait ultra plaisir. On aura le temps d'en reparler, bien évidemment. L'aventure ne fait que commencer, mais voilà, ça fait ultra plaisir. Donc merci à tous et joyeux Noël et bonne année. Aujourd'hui pour cette vidéo sur la chaîne Life, ça m'a été beaucoup demandé. Donc écoutez, je vous propose une petite vidéo setup de ma nouvelle installation. Alors pour information, oui ça résonne, c'est simplement dû au fait que cette pièce est assez grande et qu'elle est meublée que de bureaux et d'étagères quasiment vides. Donc ça résonne un petit peu, mais on a le petit micro Rode, j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais tout vous présenter de loin, d'accord? Ça veut dire tout simplement que je vais pas m'attarder sur chaque chose. Mais pour ceux que ça intéresse, bah écoutez, voilà un petit peu de loin à quoi ça ressemble. On a donc la partie haute, la partie basse, et on va s'attarder un petit peu ici et là sur différentes choses. Avant de commencer, je vous me présente ma clim. C'est tout nouveau, je l'ai acheté en 2018. Elle fait donc entièrement partie de mon setup. Grâce à elle, je peux stream en été tranquillement. Donc, comme vous le voyez, je suis dans une maison neuve et ça change de la cave. Je vais pas vous mentir, c'est très agréable. Du coup, j'ai mon vrai bureau, donc vous allez le voir, c'est assez sympathique. Pour information, ce setup a évolué au cours des années. Ça a débuté en 2012 avec deux personnes ou trois ou dix peut-être, je sais plus combien vous étiez. Je sais qu'à la fin de ma première année de YouTube, donc en 2013, vous étiez 900. Aujourd'hui, vous êtes plus de 300 000. Donc, merci à tous, ça fait plaisir. Et voilà, du coup, le setup version 2018-2019. Il n'y aura aucun changement en 2019, je pense, sauf s'il casse. Ici, on a mon modem 4G. J'en parlerai très bientôt. Ça m'a sauvé la vie, mesdames et messieurs. C'est donc un routeur 4G qui a, comme vous pouvez le voir, toutes les barres. Grâce à lui, je peux stream sans avoir la fibre optique. Et tout passe par ici, donc voilà, donc vous voyez, coucou YouTube. Donc mes antennes sont derrière, on va pas trop s'y attarder, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour ceux que ça intéresse. Routeur 4G, ça fonctionne sur une carte SIM free avec deux antennes râteau. J'ai un débit de fibre optique, donc grâce à ça, je peux live, c'est un vrai plaisir. J'upload mes vidéos ultra rapidement, c'est trop bien. Ici, mon fax et imprimante scanner. Ici, nous avons ma station de montage. Alors, ça se rend peut-être pas bien compte que je fais quasiment jamais de montage. Mais en fait, des fois, donc, on fait des sortes de petites LAN à la maison. Ou des fois, il y a des potes qui viennent jouer à la maison. Et du coup, comme j'ai un PC portable gaming, il est mis là. Donc, ici, on peut faire du montage. On peut gérer pour ceux qui ne le savent pas. De temps en temps, des personnes m'aident un petit peu à gérer la chaîne, à faire 2-3 montages, des miniatures, etc. Donc, voilà, une petite station sympathique. Bon, c'est que des proches, mais l'idée est là. 1050 Ti, i7 6800K, 16 Go de RAM en DDR4. C'est un très très bon PC portable, c'est un MSI. Écoutez, ça fait le café. Mon petit Raspberry Pi 3 qui est là, que je suis en train de préparer un petit peu. La petite PlayStation 4 qui est ici. Il y a beaucoup de meubles Ikea. Hein. Ça c'est du Ikea, ça c'est du Ikea, ça c'est du Ikea. Et mon meuble là, c'est mon bureau Conforama. Et il manque une partie parce que la partie là est pour madame. Étant donné que derrière moi, bon, je vous le montrerai pas, mais derrière moi, il y a le setup de madame avec du coup tous les petits trucs, mais ça restera scred. Ici, nous avons le PC de stream et ici, le PC de jeu. On fait simple, pour ceux que ça intéresse, j'aurai tout le loisir de vous faire des vidéos sur cette chaîne live pour mieux vous l'expliquer, mais pour faire simple, ici, c'est mon PC de jeu, donc il y a Steam, Origin, etc., etc., etc. Le PC de jeu est relié à l'écran du milieu. Ici, c'est mon PC de stream, où donc nous avons notamment ici, petit Elgato, voilà, que j'ai acheté moi-même, hein, parce que Elgato ne me l'a malheureusement pas envoyé. Nous avons donc ici le petit PC de stream avec le petit t-shirt Kenny, jeune boutique. Pour ceux qui ne le savent pas, pensez à check si jamais... vous voulez soutenir l'entreprise Clan Super Refaction. Donc, PC de stream qui capture l'image et le son du PC de jeu. Ça passe là et d'ici, ça passe via les fils jusqu'en 4G et ça arrive chez vous. Voilà un petit peu l'idée.
J'ai donc, sans trop rentrer dans les détails, un splitter HDMI, etc., etc., etc. Je rentre pas dans les détails, pourquoi ? Parce que c'est juste une vidéo setup pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble. Mais pour ceux que ça intéresse, parce qu'il faudrait une vraie vidéo là-dessus, parce que c'est assez complexe à comprendre quand on n'a pas l'habitude. Donc pour ceux que ça intéresse, vous me le direz en commentaire et je vous ferai une vidéo vraiment spéciale. Le double PC, comment ça marche ? Je suis un professionnel du game maintenant. Et PC de stream, PC de jeu, ça fait des années que j'en ai, donc on est bon, voilà, je peux répondre à toutes les questions. Je sais parfaitement bien comment gérer ça. J'ai eu la blinde de soucis aussi à cause de ça. Maintenant c'est bon, c'est carré, c'est good, c'est emballé, c'est pesé, on est sur quelque chose d'assez sympa. Donc du coup, voilà un petit peu la bête, je vais me reculer un petit peu parce que on est sur un setup que je trouve assez sympa. Voilà, alors après, comme d'habitude... Il y a mieux, le cap management est un peu dégueu, il y en a un petit peu dans tous les sens, mais on est vraiment sur le kiff, la passion qui a évolué au fur et à mesure des années, et un petit peu plus de matos ici et là. Donc l'écran ici et l'écran ici c'est du 24 pouces, celui-là c'est un 24 pouces, celui-là c'est l'écran de jeu, celui-là et celui-là sont branchés sur le PC de stream. Voilà, on rentre dans les détails dans une prochaine vidéo si vous voulez. Accessoirement, un truc qui peut peut-être vous intéresser. Ici, on a ma box. Je suis en VDSL, alors j'ai assez de chance. Je suis à 800 mètres du routeur, du coup, c'est une box ADSL, mais j'ai un débit de VDSL, ce qui me permet d'avoir 4 en montant, ce qui me permet de jouer tranquillement et de télécharger quelques jeux sur Steam. Et quand je veux... upload, je upload avec ici et je stream avec ici. Si je masque la caméra, c'est tout simple, je veux pas me faire chier à faire de montage après, donc je vous masque ce que vous ne devez pas forcément voir, étant donné que mon bureau est chez moi. Voilà, donc vie privée, bonjour à tous. Donc ici, amis électriciens, ne vous suicidez pas, ne partez pas tout de suite. J'ai une maison neuve, donc je suis parti du principe que j'avais une installation électrique conséquente. Après, peut-être ne le faites pas chez vous, voilà, on prend des risques, on est parti. Ici, on a 8 prises, là-bas, on a 6 prises, et en dessous, on a 4 ou 6 prises aussi au niveau des multiprises. Alors, ça fait beaucoup de matos, mais c'est dû à une raison toute simple. C'est tout simplement parce qu'il fallait bien alimenter tout ça. Voilà, donc, ici, on a mon petit DxRacer qui m'a été offert par DxRacer il y a 2 ans. Donc, merci à eux, ça fait super plaisir, c'est un modèle King, ça vaut 400€. Merci DxRacer encore une fois, là c'était vraiment mon... Voilà, pour moi c'est le délire réussite. Je m'étais dit si DxRacer, parce qu'à l'époque en fait c'était... Beaucoup de streamers avaient des cadeaux de DxRacer et avaient des sièges. Moi j'en avais pas. Et je m'étais dit, oh, le jour où DxRacer il m'en envoie un, Dieu. Voilà, et ben écoutez j'en ai un, il est là donc ça fait plaisir. J'ai changé mes ampoules pour ceux qui ne le savent pas. Maintenant je suis sur des ampoules lumière blanche. Ça permet d'avoir un fond vert parfait. Donc ça c'est mon petit tips, ça coûte 6€. C'est des ampoules lumière blanche 3800K, 100 watts. Et donc ça fait très très mal aux yeux hein, quand on les regarde. Enfin, si on les fixe à l'œil nu, on a la mémoire lumineuse dans les yeux, comme quand vous regardez le soleil. Mais ça permet, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de flash sur le téléphone. Ça me permet d'avoir un fond vert de toute beauté. Qui plus est, le fait d'avoir mis un drap me permet de tricher, étant donné que, comme vous le voyez, voilà, c'est le mur est pas droit, en fait, c'est mansardé. J'ai mis mon drap comme ça. Alors ça, c'est système D à la Rasuper, mais avec des punaises vertes. Je vous ai dit, Rasuper et les bons tuyaux, mesdames et messieurs. Donc, si vous avez un fond vert chez vous et que vous voulez faire un truc assez cool, et au-dessus, on a les petites casquettes, vous prenez un drap. Vous savez quoi, je mettrai les liens en description. Pour ceux qui veulent, je mettrai les petits liens affiliés à Amazon en description. Comme ça, ça fera le soutien des familles. Donc, les punaises vertes, c'est du Amazon. Le drap vert, c'est du Amazon. Vous punaisez le drap comme si vous le collez. Voilà, donc il est plaqué proprement. Et si vous avez un mur un peu pète-couille, donc si vous voulez, de base, derrière c'est comme ça. Vous voyez? Et ça, c'est un peu chiant à faire en fond vert. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, le drap, je le fais retomber comme ça. Voilà. Comme ça, ça fait comme si le mur était là. Et au niveau de mes ampoules, ça éclaire et ça fait un fond vert magnifique. Et mon fond vert est d'une beauté incroyable. Voilà, je préfère vous le dire. On est sur un fond vert de qualité. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc... voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand on est in that place. Mets ton chapeau.
Bah, je vais filmer mes écrans. Et t'es en face. Ou baisse-toi. Bon, allez, on est parti. Donc, ici, mesdames et messieurs, vous avez le Stream Deck. Parce que je partage mon bureau avec madame. Du coup, c'est pour ça que vous m'entendez lui parler. Donc, ici, le petit Stream Deck, ça me permet de gérer mon live parfaitement. Et par exemple, donc, il est là. Boum, j'appuie sur une touche. Je peux faire changer les scènes. Donc, ça, c'est assez sympa. Pour ceux qui ne savent pas, je suis partenaire XSplit depuis 1 an maintenant. XSplit Elite, donc je fais partie de la team XSplit, donc ça fait zizir parce que c'est un logiciel que j'utilise depuis des années. Son concurrent est OBS qui est gratuit. Honnêtement, vous prenez celui que vous voulez, je m'en fous complètement. Je ne gagne pas d'argent là-dessus et même si j'en gagnais, OBS c'est très bien. Moi le souci c'est que quand tu commences à prendre en main XSplit, t'as pas envie d'aller sur OBS. Voilà. Libre à vous de faire ce que vous voulez, mais si vous n'avez jamais testé XSplit, c'est vraiment un logiciel que je vous recommande. Je le trouve beaucoup plus simple qu'OBS, et c'est un logiciel que j'utilise depuis mes débuts. J'ai utilisé OBS aussi, XSplit, Streamlabs, etc. Mais à chaque fois, je suis revenu à XSplit. Alors je ne sais pas pourquoi, mais avec ce logiciel, aucun bug de capture, aucun freeze, et j'ai un PC assez puissant pour tout faire tourner correctement. Comme j'ai deux PC, comme vous l'avez vu, donc voilà, je me suis fait plaisir, on est sur du XSplit. Donc ici, vous avez ceci. Donc ça, c'est mon PC de jeu. Et l'image est remise ici. Alors, confondez pas au niveau des écrans, c'est pour ça que j'ai deux motos en fond d'écran. Quand c'est le GSXR, c'est le PC. Comment ça s'appelle? Le GSXR, c'est le PC de stream, d'accord? Et quand c'est le Z1000, qui est mon ancienne moto, ami motard, coucou à vous, c'est le PC de jeu. Voilà un petit peu l'idée. Alors, sinon, ici, on a une webcam CNF120 qui me filme, le micro pour le PC gaming, mais tout ça, on en parlera un petit peu plus tard. Là, on a mon petit chrono des familles qui fait fort plaisir. Re, bon, j'ai mis madame dehors, ce sera plus simple pour filmer. Parce qu'en fait, son bureau est juste derrière là-bas. Donc, l'idée, c'est qu'on se concentre uniquement sur mon setup. Donc, le PC de jeu, les petits claviers qui font plaisir. Et là, vous avez mes petits roleplays qui vont débarquer. On va garder ça secret, hein, bien évidemment. Je voudrais pas donner des idées. Comme pour ceux qui ne savent pas, donc mes roleplays, je les note à l'avance. Dès que j'ai des idées de roleplay, je les note et après, j'essaye de les faire. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand je stream. J'ai donc là XSplit, enfin non, là j'ai Twitch, où donc je vois vos messages. Ici, j'ai XSplit, où je gère mon live. Et ici, c'est le PC de jeu. Voilà un petit peu l'idée. On a donc deux claviers, bien évidemment. Donc j'ai un clavier sans fil. Pour gérer, ça c'est ma régie, pour ceux qui se demandent en fait. Tout est en sans fil pour gérer mon stream. Comme ça permet à quelqu'un d'autre de gérer mon live si besoin en régie ou autre. C'est pas vraiment arrivé encore, mais si besoin, j'ai juste à retourner cet écran. Voilà. Avec la station de hop, la station de montage qui est juste derrière. Je passe mon clavier sans fil, la souris sans fil, et en gros, un pote peut m'aider à gérer un live. Si un coup j'ai une idée de, je sais pas, si un jour j'ai une idée ou autre, il y a moyen de faire des gros projos. Ici, c'est le micro que j'utilise pour le PC de jeu, et ça, c'est le micro que j'utilise pour le PC de stream. Donc, quand je joue à Arma 3, dans la vidéo, vous m'entendez depuis ce Blue Yeti, mais les joueurs m'entendent depuis cette cam dont j'ai masqué le devant. Et donc ça, c'est la petite C920 qui me permet de m'afficher en live ici, par exemple. Regardez, hop là, voilà. Vous voyez l'idée? Hop. Coucou! Pouf pouf YouTube! Bienvenue! Du coup, voilà un petit peu l'idée que je masque quand je l'utilise pas, tout simplement. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Alors, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais je me dis, on sait jamais. Voilà, faudrait pas que le talent reste mystérieux. Donc, que dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le Stream Deck, je vous l'ai montré. Mes lampes, donc c'est des lampes de bureau. Ici, on est sur du RA Super System D, c'est-à-dire que claquer 200 euros pour une lumière, ça sert à que dalle, les gars. Ça, c'est une lampe de bureau, j'ai changé l'ampoule. Ça, c'est une lampe qui est fixée sur un lampadaire, enfin, excusez-moi, qui est fixée sur un ventilateur que j'allume quand j'ai un petit peu chaud en plus de la clim. Et là-dessus est branchée une ampoule, enfin, est branchée du coup une ampoule spéciale lumière blanche, raccordée à une lampe de bureau que j'ai cassée, que j'ai attachée dessus. Voilà. C'est du système D, alors c'est un peu cache-misère. Mais la question est toute simple. Pourquoi payer cher quelque chose qu'on peut faire en moins cher?
la petite barre que vous connaissez au niveau du petit trépied, mon petit thermomètre qui me permet de savoir un petit peu quelle température il fait, et j'utilise des petits casques, enfin des petits écouteurs. Pourquoi j'utilise pas de casque? Dans le setup que j'ai pour le moment, c'est plus simple, et puis comme je l'ai déjà dit, un casque sur les oreilles, enfin moi ce que j'avais d'avant ça chauffe, qui plus est ça coûte de la thune. Alors j'ai des écouteurs, pour le moment j'utilise mes écouteurs, peut-être si mes écouteurs lâchent je prendrai un casque, mais des écouteurs c'est parfait, parce que comme je vous l'ai dit, madame joue en face, des fois j'ai des potes qui jouent derrière là, sur le PC j'ai des potes qui jouent ici, donc comme ça, ça permet de s'écouter sans trop de soucis. Vous avez là une manette d'Xbox One, un chargeur sans fil de téléphone, mes petits gobelets, d'ailleurs j'ai acheté une tasse que je vous montrerai très bientôt. Petite casquette Twitch, bien évidemment, Twitchinou, les liens seront en description. Là on a un nouveau fond vert que j'ai reçu, vous verrez ça plus tard en 2019, un petit peu pourquoi j'ai acheté ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la manette de PS4, bien évidemment, qui est ici, parce que pour le moment il y a une PS4 qui est derrière. J'ai un splitter HDMI, pourquoi? Ça me permet d'avoir un affichage ici et un affichage ici. Mais surtout, un splitter HDMI c'est plus simple, parce qu'il y a un contournement HDCP, donc je peux rec une PS3, une PS4 sans souci, ça gicle la protection HDMI, etc. Enfin bref, pour ceux que ça intéresse, on fera une vidéo spéciale pour chacun de ces petites choses. Du coup, voilà mon setup, écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Là, on a une 960, un i7, une 980, un i7, une 1050 Ti et un i7. Pour mon PC portable. Voilà un petit peu l'idée. Si jamais, je sais pas, vous savez pas utiliser un Stream Deck, vous avez des questions quelque part, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et on fera une vidéo spéciale là-dessus. La chaîne live sert à ça pour information. La chaîne live, c'est aussi la vôtre. Donc si jamais je voulais vous lancer dans le streaming game en 2019, bah bienvenue à tous. Et puis écoutez, si je peux vous aider, avec plaisir. Sachant que moi, j'ai créé ma chaîne Twitch un 1er janvier 2013. Et que sur YouTube, vous êtes maintenant 200 000. Donc voilà, du coup, bah écoutez, merci à tous. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment ultra plaisir. Regardez-moi ça, comme c'est beau. 200 000 abonnés, mesdames et messieurs. Merci à tous, ça fait ultra plaisir pour ma chaîne gaming. Et donc sur la chaîne gaming, bah, il y a du gaming, comme d'habitude. Et la chaîne Life est ici, pour ceux qui se demandent. Et là, il y a la chaîne ASMR que j'utilise plus trop en ce moment. Manque de temps pour faire de l'ASMR, mais voilà un petit peu pour les idées. Bref, on cesse là-dessus. C'était Rasuper. Joyeux Noël, bonne année. Et écoutez, rendez-vous l'année prochaine, tout simplement, pour qu'on continue un petit peu le petit plaisir. Pour ceux qui se demanderaient, donc mon Z1000, je l'ai vendu. Le GSXR, il est dans mon salon, mais pour le moment, on est en hiver, donc je vais attendre que les températures se réchauffent, et on ira du coup refaire des petits motovlogs en GSXR. Voilà l'idée, c'était Rasuper, tous les liens seront en description, je mettrai les liens Amazon, des produits un petit peu sympas, je sais pas moi, passez de bonnes vacances, amusez-vous bien, c'était Rasuper, et merci à tous de me suivre depuis tant d'années, ça fait ultra plaisir, et voilà un petit peu le petit business. Pour information, le setup a été filmé au Samsung S9, avec un micro Rode câblé directement sur les téléphones, le tout avec un stabilisateur un petit peu manuel. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse en commentaire me poser des questions. Et la chaîne live, comme je vous l'ai dit, c'est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à me faire un retour s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Pour ceux qui me demanderaient pour Park, je n'ai toujours pas retrouvé mon chaton. Donc écoutez, la recherche continue et dès que j'ai des nouvelles, je vous en donne bien évidemment. C'était Rasuper, bisous chouchou, bonne année, joyeux Noël, salut YouTube.